Popcorn. Vas-y. Putain, si chaque somme revient 1000 euros, je t'en fais 200 ce soir s'il n'y a pas de problème. Et tu t'achètes ton appart après. Là. Tu l'as acheté comment ton appart? Grâce à des sauts de popcorn. Tout à fait logique. J'aurais dit de luxe puisqu'ils sont fabriqués dans un endroit. Ouais, en plus. Voilà. Donc 1000 euros le saut, t'es encore gentil. T'imagines après Meetup qu'il y a des sauts de popcorn sur eBay qui apparaissent. Ah, ça serait marrant. Techniquement, plus même on a le droit d'avoir un pourcentage dessus puisqu'on est fabriqué et tout. Est-ce que si je participe à la main d'œuvre, j'ai le droit d'avoir un pourcentage? Non, parce que t'es un prix. Ah. C'est vrai que ça joue beaucoup, quoi. Tes parents, ils rentrent pas du week-end, non? Non, ils sont pas là. Tranquille. Ils sont Faremus. Dernière ligne droite, les gens, dernière ligne droite. Et dynamique. Putain, ton pseudo, je n'arrive pas à le retenir. Les 50. On a fini les 50, sortez le popcorn. Bravo. On en fait un bout de popcorn. Bah ouais, on fait artiste quand même. Oh, il y en a un, ça y est. Il y en a un. On est bien. Il y en a un. Oh là là, deux. Oh, trois. Oh là là, il se multiplie. Donc, comment on fait le son ou avec ce truc là? C'est quand même pas facile à faire du popcorn. Non, c'est. Je sais pas si on y arrivera du niveau. Hein. Ça te donne. Il existe du de massage de popcorn, ça m'a dit. Ah, ils sont plus les popcorn. Ils sont vénères. Hein. Vite, on devrait mettre un système de cible dessus, tu vois. Sur le haut de la poêle pour voir combien de points on gagne. Non, pourquoi pas, je sais. Ça va quand même relativement vite. Hein. Ouais, ça en fait quand même pas mal. Hein. Parce que là, il y a pas encore tout qui est. Là, il y a que 125 grammes. Ouais. Et t'as combien? Et moi, ce que je pensais faire, c'était. Là, j'ai des sacs poubelles neufs. Et mettre les popcorns de cette type. Et ils auraient pris le goût. Ouais. Si jamais on les fait ce soir, faudra qu'on voit avec quoi transporter parce que sac poubelle, ça va chier, les sacs poubelles sont genre une odeur et tout. Je sais pas si c'est bien, c'est ça. Bah, pour être sûr que les petits grains, ils restent pas. Bon, putain, mais déjà 125 grammes, ça remplit la. Mais toi, t'en as combien de kilos? Bah ouais. Mais t'as pas fait tout le gros. Parce que je vois que t'avais un très gros couvercle là. Ah ouais, non. Voilà. On a pris ça. Ouais, voilà, ça va être un assassin cocotte. Ouais, remarque, on va faire un peu plein de votre pression, ça va être marrant. Ça va pas me plaire. Non, en fait, la casserole là, c'est la mieux. Par contre, là, je pense qu'on va pouvoir arrêter parce qu'ils doivent plus trop péter. On est en train de filer du popcorn. Ouais, oui. C'est passionnant. Tu devrais laisser refroidir sur un. Ouais, alors moi il faut le mettre dans un saladier et attendre qu'il refroidisse. Oh l'odeur, pouah. C'est l'odeur de la toi. Ouais, tu devrais le mettre dans un saladier. Et bah ouais, on va goûter tout ça. Hein. On se met devant un film. Je vais faire ça. Hein. Cache. Non, il doit l'air trop popé. Oh, ça va! Ok! 125 grammes, hein. Putain. On a 2 kilos. Ouais. Ah là, il y a encore 125 grammes en plus. Et bon, kilo, ouais. 125. Bah là, il est nature. Il est vraiment nature de chez nature, quoi. Et bah, tu sais, elle est pas de sucre. Non. Ouais, ça. Et donc là, après, justement, c'est ça le. Bon, on peut mettre du thym dans le cimetière. Bon, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire deux récipients et faire un test. Ouais. C'est bien, ça va pas coller. Allez, bon, c'est pas grave. T'as meilleur à la poudre. Allez, goûte la poudre. Sauf qu'une fois qu'ils vont commencer à péter, s'ils sont sur la plaque, c'est vraiment pas bon. Et le popcorn qui te paye, qui pète, qui t'arrive dans l'œil. Ouais, j'ai vu ça. Ça arrive. Oh.
Allez, tu vas dans l'eau. Luc, allonge-toi par terre, là, devant ma foule. J'ai besoin d'un soutien physique. Cache-moi ça, toi. Ça impliquerait que je m'assoie, et si je m'assois, je ne m'enlève pas. C'est un jaloux, l'écoute pas. Non mais c'est de la triche. C'est pas grave. Rager parce que vous n'avez pas les techniques. Attention à la branche. Voilà. Zéro. Soulette by branche. C'est la fin de la manette. Ok. Allez go. 1 et 2. À poil. Ah mais là tu vas miskim tout le monde, suis-je mais. Allez, parce que là j'ai l'impression que personne n'a jamais fait ce qui s'est fait. 2, 3, 4, 1, 3. J'ai compris ce truc, c'est que j'ai fait. 2, 3, 2. Je pense. Mais non, t'es déjà passé. Bon, frère, ta gueule, les autres. Tais-toi, femme. Du coup, le... Ouais, c'est le sel. Ah, ça grite la gorge, tout le drama. Du coup, le dimanche matin, je me lève, toujours pareil, 9-10h, et je lui fais, ouais, Silou, faut aller, tu veux dormir ou pas? Parce qu'il avait l'air mort de chez moi. Et il a fait, je veux faire du... Un roux qui fait une place dans le produit, quel étonnement! Voilà, on n'a jamais vu ça! Jamais! C'est génial! Ça tâche un seul par terre, c'est bon! Bon, bah, je prends pas le micro de là! Non, je vais cacher le micro! Ça fait vite! Là, du coup, c'est un peu. Bah, continue ton histoire, c'est un peu la flèche! Bah, oui, c'est un peu la seule que j'ai, quoi! Avec plaisir! Du coup!